dans ce nouveau vlog de janvier 2016. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi c'est cool et du coup là en fait on est vraiment un peu plus tard que le début de vraiment de quand j'ai vlogué. Donc je vous laisse voir 2-3 petits passages et on se retrouve juste après. Semaine de partiel continue. C'est les vacances. De retour, donc on est le vendredi 9 janvier. Et voilà, j'ai fini mes partiels hier. Ça s'est dans l'ensemble relativement bien passé. Voilà, on verra bien. Et c'est enfin de nouveau les vraies vacances. Les vacances sans partiel, sans révision, sans stress. Et c'est juste merveilleux. Voilà, parce que ça faisait du bien et que avec toutes les insomnies que je me suis tapées, disons que j'ai bien besoin de vacances et de récupérer de tout ça, quoi. J'ai pas reçu ma commande Sleek encore non plus. Ça par contre ça m'inquiète un peu, en fait j'ai le sentiment qu'elle va jamais arriver, que je vais devoir encore contacter le service client comme toutes les boutiques dans le genre. En fait il y a toujours des problèmes genre Dresslink, Sleek, Vivo Cosmetics, enfin j'ai l'impression que ça fait un peu la même et voilà je suis déçue d'avance même si je sais que les produits vont être vachement bien donc ça je sais pas trop. Ce soir, je retourne voir Star Wars 7 avec mon chéri au Gaumont-Paté-de-Bellecour, en fait, parce qu'il l'a pas encore vu et que le risque de spoil commence à grandir dangereusement, on va dire, et que maintenant que j'ai du temps, vu que c'est mes vacances et la fin des partiels, on se retrouve très très vite pour la suite de ce vlog. Voilà, c'est le jour où ce soir on va chercher mon bureau IKEA et là tout de suite j'y suis cet après-midi pour aller chercher un meuble à mettre par-dessus le bureau IKEA. Voilà, donc ce soir ça va être du montage IKEA, vous allez voir ça va être très 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 drôle. Bienvenue en terre promise. Opération IKEA terminée pour moi, je passe le relais à mon chéri et j'en chie parce que j'ai pris un truc qui est en fait super lourd, je pensais pas du tout mais comme c'est tout métallique je vous le montrerai monter mais là voilà quoi, c'est un peu la merde. Donc on verra quand on arrivera au retour, à tout de suite. Thank you.
Les amis, je vous présente mon ancien collège et plus loin là-bas, mon ancien lycée. Hey! On est vendredi soir et mon vendredi soir ressemble à ça. Petit 1, une tête méga fatiguée parce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Des bâtonnets saucissons. Alors ceux-là, c'est mes préférés. C'est les mini-sticks saucissons secs de chez Auvernoux. Ils sont super bons, voilà. Pour les amatrices de petits saucissons, sachez que voilà. J'ai bien évidemment une énorme bouteille d'eau. La vidéo swap de Sandria avec Elsa Makeup et en parallèle du montage vidéo sur le vlog de janvier. Voilà, on est que le 15 mais je préfère le monter en deux parties comme ça ce sera plus simple. Ensuite j'ai un déballage d'achat. Ça c'est des petits gants noirs de chez Pimki qui sont tout doux, qui ressemblent énormément. Bah ils sont où? Je les rangeais là d'habitude. Voilà, je les ai retrouvés, c'était planqué là-dedans en fait. Donc, ils ressemblent niveau matière à ceux de chez Claire's qui étaient comme ceci, qui étaient en forme de mitaine avec un petit truc. Ça, c'est vraiment des vrais gants avec un vrai petit bout en fait. Et ils sont toujours pareils niveau taille, c'est parfait. Parce que j'ai des doigts minuscules et que c'était de la taille unique. Donc, je suis très heureuse. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris une jolie petite bague aussi chez Pimki. Donc, elle ressemble à ça, elle est rayée rouge et blanche. Elle était super jolie, elle était à 3€. Soldé au lieu de 4,95€ et je l'ai pris en taille M, voilà. Voilà pour ça. Donc là, c'est joli, moi j'aime beaucoup. Et autre petite chose, bah j'ai du coca quoi. J'ai reçu mon bracelet Ipanema et je suis allée chercher ceci. Ta-da-da ! Et elles sont juste trop magnifiques quoi en fait. Là au bout, il y a des petits cristaux de Swarovski. C'est juste ouf quoi. Et les dessins sont juste trop beaux. J'adore, elles sont super confortables. Franchement, c'est une super marque. Et je ne suis pas du tout déçue. J'oubliais de vous dire aussi un truc important de mes moments calmes toute seule. C'est l'encens juste là, en fait. Parce que j'adore l'encens. Mais genre vraiment, surtout celui de chez Monoprix parce qu'il est un peu cher, c'est vrai. Mais les senteurs sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup vanille. Et boîte santal, mais j'en ai plus, ils en avaient plus non plus en magasin. Sinon j'ai figue, mais il est un peu bizarre. J'aime pas trop. Voilà, c'était la minute inutile de ce vlog du vendredi soir. Peut-être que juste après, vous aurez la chance de voir l'assiette que je vais manger. Probablement des cordons bleus et des pommes dauphines. Voilà. Thank you.
Salut tout le monde et je vous annonce enfin la fin de ce vlog, non pas parce qu'on est le 31 janvier, mais tout simplement en fait parce que j'ai beaucoup filmé, que je ne pense pas que la fin du mois sera absolument géniale et que tout simplement j'ai assez filmé, donc j'ai pas envie que ce vlog dure 20 milliards d'années non plus, donc voilà, je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt niveau vlog pour le mois prochain du coup, et sinon tous les mercredis et dimanches pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.